Yo les Steelbookers! Ok, ça c'était naze. On coupe. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de ma collection Steelbook de jeux vidéo. Aujourd'hui on va parler de la PS3, de la PS2, du PC, de la Xbox One et de la Xbox. J'espère que ça vous plaira. Alors, on va commencer tout doucement avec les Steelbook PS3, même si vous allez voir qu'il y a quelques petites exceptions. Avec le Batman Arkham City, donc qui existe en plusieurs versions. La version PS3, c'est celui avec Batman devant et Catwoman derrière. Donc forcément, il n'y a rien dedans, hein, c'est bien dommage. Alors que la version 360, vous la verrez un peu plus tard, parce qu'a priori, je l'ai mal rangé. Ensuite, Beyond Two Souls, Steelbook avec un petit fourreau qui est plutôt sympa. Malheureusement, l'intérieur, il n'y a rien du tout, ce qui est bien dommage. Castlevania Lord of Shadow 2, ça c'est la version du collector, c'est, vous savez, c'est l'espèce de cercueil, de tombe, qui est pas très joli, qui est en carton avec des petites figurines toutes petites et toutes moches. Le seul truc qui sauve le collector, c'est vraiment ce steelbook qui est vraiment super beau. L'intérieur est lui aussi plutôt cool. Call of Duty Ghost, alors pour les Call of Duty, ils font à chaque fois des steelbooks, ils sont rarement sympas. Celui-là, pour le coup, c'est la première fois qu'il y en a un vraiment en couleur. Généralement ils sont noirs, là il est bleu, donc il est plutôt cool, et à l'intérieur on a le logo de l'unité Ghost. Donc un steelbook qui est plutôt sympa. Ensuite on a Dark Souls 2, un steelbook qui m'avait été offert par un abonné. Enfin un steelbook, c'est pas un steelbook du coup. L'intérieur lui est plutôt chouette, et puis on retrouve l'image qu'on a sur la boîte de jeu originale, je crois. Le Zombrex, donc ça c'est l'édition collector entre guillemets de Dead Rising 2, qui est super cool. Alors, vous voyez, on a le steelbook qui est la boîte de pilules. Et à droite, on a un petit carton, et ben dans ce carton, vous voyez, c'est un stylo qui a la forme d'une seringue. Donc moi, mon stylo est utilisé, hein, je l'ai récupéré comme ça, c'est dommage. Et le stylo qui est super cool, avec le design vraiment très évident d'une plaquette de médicaments, donc de Zombrex ici en l'occurrence, avec un petit relief hein, qu'on va pouvoir toucher avec le doigt, c'est vraiment super cool. L'intérieur, bah forcément, on a les pilules. Le Dragon Ball Raging Blast, qui lui est un super steelbook. On avait parlé la dernière fois du steelbook de Dragon Ball Xenoverse, qui était très peu travaillé. Celui-là, il est super cool, même s'il aurait pu être encore un peu mieux. On a Sangoku d'un côté, en Super Saiyan, avec un artbook hein, qu'on a dans cette version. Et puis on a de l'autre côté, Broly, qui est méga classe. Le seul truc qui est un peu dommage, c'est que l'intérieur du steelbook, ça reprend les dessins qu'on a à l'extérieur. Fear 3, alors on a deux versions, on a une version blanche et on a une version noire. Alors, je ne sais pas exactement dans quel cas on avait l'une ou dans quel cas on avait l'autre. Si vous connaissez les infos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Assassin's Creed Revelations, super cool, avec un effet mat au toucher qui rend plutôt bien. L'intérieur est lui aussi vachement travaillé avec Constantinople, non, je sais plus où est-ce qu'ils sont dans le Revelations. En tout cas, c'est dans cette ville. Voilà, le deuxième Batman, qui lui est plutôt la version 360, mais je l'ai rangé dans la même étagère que l'autre Batman, avec le Joker derrière, qui est vachement plus classe que la version PS3. On a également l'édition Wii, avec encore Catwoman, mais cette fois-ci, on voit qu'ils ont des armes un peu spéciales, c'est l'Armored Edition. Plutôt sympa, moi je préfère quand même la version avec le Joker. Vous avez encore deux autres versions de ces steelbooks, mais que j'ai pas, qui sont à l'étranger, je crois aux États-Unis. Vous allez avoir le pingouin et un autre méchant. Je sais plus, mais ils ont vraiment fait des éditions pour chaque territoire. Le Bioshock Infinite, qui est un steelbook de prime abord qui est plutôt moche. Surtout que je ne sais pas ce que c'est, le Fink MFG, vu que j'ai pas fait le jeu. Par contre, l'intérieur est plutôt cool. On voit nos deux héros principaux, et puis la ville de Columbia. Final Fantasy XIV, un de mes steelbooks préférés, je trouve vraiment sublime. Il faisait partie du collector, hein, que je ne possède pas, je possède juste le steelbook, mais il est vraiment super beau. L'intérieur aussi est très travaillé avec ce petit artwork d'une ville. C'est vraiment une de mes plus belles pièces. Le God of War Ascension, je vous mets des petites photos sur les côtés parce que le mien est sous blister, mais je crois qu'il est assez quelconque. Le Gran Turismo 6, ça c'est un de mes achats de cette semaine en cash. Sympa. Pour un Gran Turismo, il est plus joli que celui sur PS4. L'intérieur est classique et le petit logo derrière est quand même plutôt stylé. Ça fait sobre, mais ça fait propre. Injustice, franchement, si vous aimez l'univers DC, ce steelbook est superbe. Ce qui est bien dommage, c'est qu'à l'intérieur, il n'y ait pas d'image, mais l'extérieur est vraiment super beau. Killzone 2, steelbook assez classique, pas grand chose à dire sur lui. Kingdom Hearts HD 2.5 Remix, également un des plus beaux steelbooks, hein, vous l'aviez déjà vu dans ma collection de mes 10 steelbooks les plus chers, il est vraiment superbe. Avec à l'intérieur les deux artworks des deux versions de jeux en boîte classique, parce que vous savez que dans cette version collector, ils vous offraient le premier 1.5 HD Remix.
qui était à gauche, et ça c'est vraiment stylé. Le Little Big Planet 2 qui est plutôt moche parce que je n'ai pas son fourreau, quand on rajoute le fourreau par-dessus, il est quand même plus sympa et l'intérieur est tout mignon, il ressemble vachement à celui du troisième épisode, c'est normal, ils ont gardé un peu le même design. Mag, il me semble que c'est un jeu qui n'existe qu'en Steelbook, il n'existe pas en boîte classique, je dis peut-être une bêtise, et c'est un jeu purement pour la collection parce que c'est un jeu uniquement en ligne et les serveurs ont fermé. C'est un jeu auquel vous ne pouvez plus jouer. Metal Gear Solid HD Collection, un de mes steelbooks qui vaut les plus chers et pourtant que je trouve vraiment très très moche. Hein. Ces trois couleurs bleu, jaune, vert, ça fait très kitsch, trop kitsch. Et en plus, à l'intérieur, eh ben, il n'y a rien. Le Metal Gear Rising, où on a dessus... merde, j'ai un trou, je ne sais plus comment il s'appelle. Mais bon, vous avez le gars qu'on voit devant, quoi. Raven? Non, je ne sais plus, j'ai un trou. Derrière, il y a un petit logo. Le Mortal Kombat, il n'y a absolument rien à l'intérieur, mais il est plutôt cool parce qu'il y a un effet d'embossage. On voit le petit logo du dragon est en relief. Et derrière aussi, la chaîne de Scorpio est également en relief, donc il est plutôt stylé. Le Naruto Ultimate Ninja Storm, plutôt sympa. Hein. Il met en évidence, comme la plupart des steelbooks Naruto, la dualité, la rivalité entre Sasuke et Naruto. Et l'intérieur, attention, petit spoil, c'est la scène mythique finale de la première série, entre guillemets, Naruto, avant de passer sur du Shippuden. Mass Effect 3, plutôt classique. On voit à l'extérieur les deux versions du commandant Shepard, et puis à l'intérieur un visuel du Normandie. Le Diablo 3, assez sobre, mais il ressemble au design du collector, donc plutôt cool. À l'intérieur, on voit pas bien à cause des reflets, mais ce n'est pas Diablo, hein, c'est le début de la cinématique où on voit toutes les armées infernales qui se réveillent à l'appel du maître, entre guillemets. Le One Piece Pirate Warriors 3, c'est un de mes premiers steelbooks. Un des steelbooks qui m'a fait collectionner parce que très clairement celui-là j'ai trouvé énorme, j'étais à fond dans One Piece à cette époque-là et il est vraiment super beau avec le trio des frères à droite et puis Don Flamingo à gauche. L'intérieur est lui aussi super stylé, c'est vraiment un super steelbook. Contrairement au Naruto Ninja Storm Revolution, alors je ne vais pas vous dire qui est sur l'image devant parce que ça serait peut-être un peu du spoil, mais voilà, on n'a que cette image, derrière il est blanc, à l'intérieur il n'y a rien, c'est dommage. Il est beau devant mais il pourrait être plus travaillé. On revient sur One Piece, décidément ils sont quand même sacrément mal rangés. Le Pirate Warriors 2, plutôt cool avec le petit logo de l'équipe de Luffy. Et à l'intérieur, la carte avec Luffy, il est quand même plutôt stylé. On voit quand même une nette différence par rapport à celui de Naruto. Le PlayStation All-Star Battle, j'aime beaucoup celui-là. Vous pouvez faire pause sur la vidéo et essayer de deviner tous les personnages. Bon, c'est pas forcément très compliqué, mais il y en a peut-être un ou deux, vous allez vous demander qui c'est. L'intérieur, il est aussi plutôt stylé. Prince of Persia, il a un peu vécu le mien. On voit qu'il y a des grosses griffes. En plus, je n'ai pas le fourreau et je n'ai absolument rien du contenu qu'il y a dans ce steelbook normalement, mais bon. J'ai déjà le steelbook, c'est mieux que rien. 007, alors là j'ai retiré le fourreau parce qu'il réfléchissait vachement à la lumière. Il y a un aspect mat au niveau du steelbook qui est plutôt agréable au toucher. Mais clairement, si vous avez des ongles et vous les râpez dessus, là, ça va crisser à mort un peu comme sur un tableau. Ça me fait un petit peu trembler rien que d'y penser. Le Resident Evil 5, lui pour le coup, il y a un fourreau que je n'ai pas. C'est un steelbook ultra commun, donc je l'achèterai un de ces quatre. De même que je ferai un échange aussi pour Resident Evil 6 parce que je n'ai pas non plus le fourreau. Je ne sais pas pourquoi, c'était deux steelbooks que j'avais acheté pas cher à Micromania dans les bacs et donc ils n'avaient pas les fourreaux. Le Resident Evil Revelations 2, plutôt original parce qu'il y a un petit bouton en bas à droite pour faire du son. Mais du son qui est plutôt dégueu, hein. C'est des gens qui crient, c'est pas du tout agréable à écouter. Malheureusement, comme pour le... comment il s'appelle ? The Crew. Eh ben, la pile ne marche pas, donc on ne peut plus appuyer sur le petit bouton. Resistance 3. Plutôt sympa, mais pour le coup, celui-là, je préfère grandement l'intérieur. Avec ce design rouge, j'aurais préféré que l'intérieur soit l'extérieur et vice-versa. Saint Seiya Brave Soldiers, les Chevaliers du Zodiac. Steelbook, enfin, pour être plus précis, un frame qui m'a été offert par BG Summoner, que vous connaissez sûrement si vous êtes addict au live, au divan de Yonzio. On passe sur un autre steelbook des Saint Seiya, mais là, la bataille du sanctuaire, donc je sais qu'à droite, c'est Pégase. Mais je ne sais pas plus vous dire les noms, hein. Forcément il y a énormément de fans de Saint Seiya, mais moi j'étais peut-être un peu trop jeune. Le Soul Calibur 4 qui est plutôt cool, la version PS3 c'est la version avec les méchants, avec Dark Vador à droite, parce que c'était le personnage exclusif à la PS3, et du coup ils ont mis Nightmare, et à gauche forcément on a la Soul Edge. Dommage qu'à l'intérieur ils aient mis exactement les mêmes logos. Ensuite, du Tale of Zillia, le tout premier, design plutôt sympa, un hein, des monstres qu'on a dans le jeu. L'extérieur est aussi plutôt... Enfin, le derrière est plutôt sympa avec trois petites photos un peu comme s'il était dans un photomaton. L'intérieur est vide. Ça, c'est dommage. On passe sur le Tale of Zillia 2 qui, lui, a deux versions. Ça, c'est la version un peu limitée qui était en vente comme ça, en l'état, avec le jeu dedans, dans les magasins. Donc, il y a un steelbook qui est plutôt sympa.
Et puis on a l'édition du collector qui reprend le design du steelbook du premier. On voit le petit chat tout mignon. Alors encore une fois, il n'y a rien dedans. Et derrière, il y a encore cet aspect un peu photomaton. Donc steelbook que j'aime beaucoup. Déjà parce que c'est un petit chat et en plus parce que le collector m'avait été offert pour l'anniversaire par ma copine. Le Seigneur des Anneaux, la Guerre du Nord. Steelbook super beau qui est dans un collector plutôt cool avec une figurine d'un troll. Le design est plutôt sympa, là, on voit pas trop sur la photo, mais il y a pas mal de reflets. Par exemple, le petit logo qui est derrière est vraiment un aspect métallisé et creusé par rapport à la boîte. C'est vraiment sympa. Le Tomb Raider, un steelbook qui est superbe, mais qui reprend en fait des artworks ultra connus de cet épisode, hein, que ce soit à l'extérieur et à l'intérieur. Mais bon, quand même une très belle pièce. Le Uncharted 2, avec son petit fourreau qui lui est très classique, l'intérieur je ne sais pas trop ce que ça représente. C'est vraiment un des premiers steelbooks sur PS3, donc c'était pas très beau, hein. Il y avait cette bande PlayStation 3 sur le côté, c'était plutôt moche. Skyrim, classique, on voit le Dovahkiin à l'intérieur, il aurait pu être plus travaillé, mais bon on a l'habitude avec les steelbooks des Elder Scrolls. Le Tekken Tag Tournament 2, celui-là je l'aime beaucoup, il est vraiment, vraiment sympa avec son fourreau, on peut voir les personnages, hein, que ce soit Jin ou je pense que ça doit être Cassandra et Nina de l'autre côté, et l'intérieur est sobre, mais dans les trucs sympas, en plus du CD de la notice, il y avait un petit paquet de cartes. Le Sacred 3 classique, mais plutôt sympa. Soul Calibur 4, voilà, il était mal rangé, mais il est là. Ça, c'est la version 3.6. La PS3, c'est la version méchant. Donc là, dans la version Xbox 360, on a Yoda. Et du coup, la version gentille de Nightmare, c'est-à-dire Siegfried. On passe sur la PS2 très rapidement, parce que j'aime pas beaucoup les steelbooks PS2. On a la version du parrain avec son fourreau. Elle est plutôt cool, elle est travaillée. À l'intérieur, on a un design. Mais voilà, la plupart des steelbooks PS3, c'est PS2, c'est comme le Metal Gear Solid 3. C'est-à-dire que ça va être la boîte classique du jeu, avec le même design, les mêmes écritures, mais sur un boîtier steelbook, que je trouve plutôt moche. Du coup, bah, je collectionne pas spécialement la PS2, je prends que les versions qui sont travaillées, ou bah, la Metal Gear Solid, parce que c'est Metal Gear Solid, mais je sais qu'il y a des jeux de course, je crois qu'il y a Need for Speed, ou un truc comme ça, ou un Test Drive, bah, je les prendrai pas, parce qu'ils sont dégueulasses. On a par contre le King Kong, alors qu'il y a aussi un fourreau, mais que j'ai laissé dans sa petite protection plastique, parce qu'il est un peu galère à remettre, il est un peu serré. Le steelbook est plutôt cool, et puis dedans, ce qui avait de sympa, en plus des notices, c'est qu'il y avait des petites lithographies à l'image de King Kong, qui sont plutôt cool. On passe sur du PC, hein, la PS2, c'était très rapide, j'en ai 3. PC aussi, ça sera pas très long. On commence par le Game of Thrones Genesis, qui est en fait un STR, un jeu de stratégie. Ion, un superbe steelbook, qui est en fait un MMORPG coréen, donc c'est-à-dire qu'il faut vraiment aimer les quêtes FedEx, donc aller là-bas, aller chercher des champignons et revenir. Mais sinon, le steelbook est vraiment super. Borderlands 2, c'est mon premier steelbook à l'époque où je m'en battais totalement les couilles. Hein. Ça faisait partie du collector, qui est l'espèce de coffre en plastique. Je comprenais pas pourquoi ils nous avaient mis une boîte où en plus il n'y avait même pas le jeu dedans, je trouvais ça un peu con. Puis finalement, après quand j'ai commencé à collectionner les steelbooks, j'étais bien content de l'avoir celui-là. Voilà, sur PC j'en ai pas des masses parce que c'est pas une console où je joue beaucoup, mais pour tout ce qui est un peu RPG, je collectionne. Notamment j'ai celui du Dungeon Lords, qui est assez classique, qui fait un peu design PSE, donc c'est pour ça que je les collectionne pas des masses, mais qui est sympa. On a le Fear 2. Alors là, c'est Jimmy Franquet de la chaîne Les Trouvailles de Jimmy, je sais pas s'il suit encore ma vidéo, mais c'est lui qui me l'avait offert en 2014, un truc comme ça, il y a 5 ans, quand je l'avais rencontré en Belgique, donc ça fait perpète. Le Cube, qui est un petit jeu indé qui avait été conseillé par Nono, parce qu'il sortait en édition Steelbook, avec dedans un CD, mais aussi la clé Steam. Le SWTOR, Star Wars The Old Republic, qui est en fait le MMO RPG de BioWare, donc ceux qui ont fait bien sûr Mass Effect, mais qui ont fait les Knights of the Old Republic, les KOTOR, c'est eux aussi. The Dwarves, un petit jeu qui existe aussi sur PS4 avec un steelbook plutôt cool. Le Total War 2 Warhammer, là on connaît Total War, hein, c'est aussi une série de jeux de stratégie, mais généralement c'est plus des villes, par exemple il y a Rome ou des choses comme ça. Bah, ils avaient fait une version Warhammer qui est vraiment cool, avec vraiment un bel effet de relief. L'intérieur, il y avait un petit guide du débutant, entre guillemets, et puis il y avait des petites, un peu comme des gravures à l'intérieur, c'est vraiment une très jolie pièce. Le Wildstar, là également un MMORPG, j'ai vraiment passé beaucoup de temps. La grosse particularité de ce MMO qui m'a fait me lancer dedans, c'est qu'il y avait du housing, donc la possibilité de faire son propre chez-soi, avec des éléments qu'on allait débloquer en faisant des donjons, des quêtes, etc. Mais du coup, on pouvait vraiment avoir sa planète et la faire visiter à nos potes. Le Ori and the Blind Forest, bon, un jeu ultra connu, donc on va passer rapidement, même si c'est la pièce la plus chère de ma collection PC. Très joli steelbook, hein, ceci dit. J'ai laissé le CD pareil parce qu'il y avait la clé Steam, mais je voulais quand même que vous puissiez voir l'intérieur. Le Woodsman. Alors ça, c'est The Witcher en version polonaise, le steelbook du premier jeu qui est sur PC, avec le jeu dedans. Et puis on a le steelbook de The Witcher 2, cette fois-ci sans le jeu, mais qui est toujours en version polonaise. On va passer
pour finir sur la Xbox One, avec Anthem, un steelbook qui a la particularité de briller dans la nuit. Alors, je ne l'avais pas exposé au soleil parce qu'il pleut aujourd'hui, donc on ne va pas pouvoir tester, mais il est phosphorescent. Le Assassin's Creed 3 Remastered, une édition exclusive au Ubisoft Store qui présente un steelbook super cool. Alors le 3, le Cuphead, on le connaît, exclusivité Fnac avec le jeu qui avait été vendu en ticket de caisse, très très beau steelbook, très sympa. Le Destiny, un jeu que j'ai adoré, un steelbook super sobre, mais vu que j'ai adoré le jeu, que j'ai pas mal passé de temps avec un pote, steelbook que j'aime beaucoup. Ça, c'est pas vraiment un steelbook, mais c'est la version de Halo 5 ou 6, je sais plus, le premier qui était sur Xbox One, c'est l'espèce de grosse boîte pas très esthétique. Injustice 2, un jeu que j'adore parce que c'est celui qui m'a fait tomber dans les comics. Là, c'est le collector de Naruto Ultimate Ninja Storm 4. Je crois que c'est le 4. Pareil, la dualité entre les deux protagonistes mais aussi antagonistes de l'histoire. Et puis le One Piece Burning Blood qui va un petit peu copier le Naruto parce qu'à l'intérieur, il n'y a également rien du tout. Quantum Break, steelbook sympa, l'intérieur un petit peu travaillé. Le Tekken 7 qui est vraiment un très très beau. Très belle pièce, on voit le combat qui fait partie aussi de la figurine du collector hein, avec Hayashi. On voit derrière qu'on a Akuma, ça c'est plutôt cool. Et enfin le dernier, mon seul steelbook, Xbox. Alors il y a un petit fourreau mais pareil j'ai laissé dans la petite pochette plastique parce qu'il est un peu serré. Le Halo 2 qui le mien est un petit peu rouillé. Il n'est pas super beau mais bon, c'était l'un des premiers steelbooks sortis. Et voilà c'est tout pour aujourd'hui, il nous reste une troisième partie pour faire la 3-6 et tout ce qui est Nintendo. On se fait ça, je pense, d'ici deux semaines. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu, si vous avez des steelbooks que je ne possède pas, qui pourraient m'intéresser parce qu'ils sont plutôt chouettes. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao !